une dernière danse qui n'en était finalement pas une. 5 ans après sa tournée d'adieu, Michel Sardou a créé la surprise en annonçant son retour sur scène. Une nouvelle qui a réjoui les fans du chanteur aux 100 millions d'albums vendus. Depuis l'annonce de ses concerts, 200 000 billets ont déjà été vendus. Un engouement de la part du public qui a surpris l'artiste de 75 ans invité de l'émission BFM Story, ce mercredi 18 janvier. Mais je n'ai jamais vu ça, a-t-il avoué encore très étonné. Et d'ajouter, en 8 heures, ils ont vendu 100 000 places. Ça ne m'était jamais arrivé. Afin d'offrir des concerts inédits à son public, l'interprète du lac du Connemara ne souhaite pas faire un copier-coller de ce qu'il a fait lors de sa précédente tournée. Afin de faire patienter les fans de Michel Sardou, Alain Marchal lui a proposé de revenir sur les grands tubes qui ont marqué la carrière du chanteur. Vous permettez qu'on fasse juste un petit pas de côté, un petit medley? Je sais que vous n'aimez pas vous regarder. Bien souvent vous ne le faites pas, a révélé le présentateur avant d'être coupé net par l'artiste. Non, ça m'emmerde, a lâché Michel Sardou quelque peu ennuyé par cette idée. Voyant que le mari d'Anne-Marie Perrier est peu convaincu par ce petit montage, les deux journalistes ont tenté de le convaincre. Mais ceux qui nous regardent ont envie, lui a assuré Olivier Truchot. Pour l'amour de son public, Michel Sardou a finalement cédé, bon, ben d'accord, a-t-il déclaré un peu chagriné. Et contrairement aux conseils donnés par Alain Marchal, Michel Sardou ne s'est pas retourné et a bel et bien regardé ce magnéto. Supérieur à Michel Sardou, qui sont les femmes de sa vie? Michel Sardou lève le voile sur sa nouvelle tournée à la fin de cette séquence souvenir. Michel Sardou a accepté d'en dire un peu plus sur sa prochaine tournée rythmée au son de ses plus grands succès. Vous allez les réentendre mais d'une façon différente. J'entends que l'essentiel sera sauvé. Je ne vais changer la mélodie de France, je ne vais pas changer les paroles. Mais je vais le faire d'une certaine façon. Les gens ne vont pas s'y attendre, a-t-il révélé à Olivier Truchot et Alain Marchal. En remontant sur scène, le rival de Claude François souhaite étonner les spectateurs. Je veux les surprendre avec ce qu'ils connaissent déjà. Dès lors, l'interprète de la maladie d'amour leur promet un truc qu'ils n'ont jamais vu. On a inventé un système. Je crois qu'on ne l'a jamais vu en France, peut-être ailleurs. Je n'en suis même pas sûr. A-t-il confié. Avant de conclure avec son franc-parler légendaire, là, on va en prendre plein la gueule. Michel Sardou a mis les petits plats dans les grands pour ce retour inespéré. Crédit photo, capture d'écran BFM Story, BFM Télévision.